Salut à tous et à toutes et bienvenue sur JeCapte pour un nouveau flash test. Pour ce nouveau numéro, je vais vous parler de Blackwood Crossing, disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC pour 14,99€. Dans ce jeu, on incarne Scarlett, une adolescente qui va se réveiller dans un train en compagnie de son frère Finn. L'aventure va alors prendre un tournant original lorsqu'une personne avec une tête de lapin va apparaître. Elle va alors devoir comprendre ce qui se passe dans ce train au fil d'une aventure atypique. Autant vous le faire comprendre tout de suite, Blackwood Crossing n'est pas un jeu d'action, bien au contraire, l'accent est mis sur la réflexion et son scénario. Si de prime abord il ne paye pas de mine, il est assez complexe et tout le monde ne comprendra pas le jeu du premier coup. Ici, les développeurs parlent de plusieurs choses avec l'amour ou encore la perte d'un être proche. Le tout est amené avec des souvenirs plus ou moins difficiles à comprendre et quelques phases d'énigmes. Ces dernières ne sont pas du tout compliquées, mais sont assez ennuyantes finalement. Il suffit de bien observer ou écouter les discussions des différents PNJ pour trouver les solutions. Il vous sera en effet souvent demandé d'en associer deux afin d'avoir accès à la zone suivante. Cela dit, heureusement, le jeu ne se résume pas qu'à ça. L'exploration reste cependant minime et le tout est assez scripté. Tout est fait pour que le joueur ne se perde pas trop et avance dans cette étrange aventure. Malheureusement, le rythme est beaucoup trop lent au niveau de nos déplacements et des interactions. Le jeu est extrêmement mollasson, ce qui est frustrant lorsqu'on doit parcourir une zone à plusieurs reprises. Visuellement, le tout est correct sans jamais vraiment nous éblouir. Dans ce type de jeu, on peut pourtant être touché par la direction artistique ou l'émotion qui peut s'en dégager. Malheureusement, il n'en est rien. Finalement, la durée de vie de Blackwood Crossing avoisine les 3 heures pour un premier rush. La rejouabilité, quant à elle, est inexistante sauf si vous souhaitez obtenir tous les trophées. Difficile de vous recommander ce titre, surtout en cette période où de très bons jeux sont déjà lancés. On vous recommande éventuellement d'attendre une baisse de prix en dessous des 10€ pour l'envisager. C'est tout pour ce nouveau flash test. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne ou sur jeCapte.com. Ciao les copains!